Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure Elden Ring. Ça y est, nous sommes en Liurnia, il était temps et nous avons bien commencé l'exploration, c'est-à-dire qu'en gros j'ai démarré par le nord et mon idée, ma perspective, c'est d'aller vers le sud, de descendre petit à petit pour retourner jusqu'au point de départ qui était donc cet endroit de la... de Necrolam, je me suis embrouillé sur les noms. Sur la route, on aura plein de choses à faire, c'est sûr et certain. Par exemple, on voit ici qu'il y a un arbre monde mineur, il y en a possiblement un deuxième. Et puis aussi tout cet endroit là que je n'ai pas du tout eu l'occasion de visiter jusqu'à maintenant, qui a l'air d'être un énorme lac. On voit notamment qu'il y a la carte que l'on pourra récupérer ici, on ira le faire évidemment. Mais avant toute chose, en étant dans cette exploration du nord de Liurnia, je suis tombé sur la grande porte du manoir de Caria. Le manoir de Caria qui est sous nos yeux, qui est juste là, qui a l'air d'avoir moult charme, ça a l'air juste dingo, et ce sera le programme de cet épisode. C'est parti. Ouais, parce que bon, on dit qu'il y a Martin qui a quand même bien bossé dans le jeu. Moi, je pense qu'il a surtout bossé à l'élaboration de mon personnage. C'est Jon Snow, là, que j'ai devant moi. Regardez ça, il est merveilleux avec ses deux épées. Alors, je rappelle un petit peu l'objectif. Hein. C'est-à-dire que ce donjon, certes, on va le faire avec beaucoup de volonté. Mais surtout, on va le faire avec la volonté d'utiliser ces deux épées que j'ai avec moi. Des épées qui sont équipées flamme, les deux. Et regardez ça, mais cette ambiance. Cette ambiance. Mais c'est tellement oui. Alors, par contre, je vois des mains. Et jeu de main, jeu de vilain. Alors on va commencer par explorer sur le côté. Et ensuite, petit à petit, on en viendra à reprendre la route centrale. C'est une zone qui a l'air... Ah putain, j'ai tellement eu peur. Saloperie. Assez mystique. Mais quel truc de... Ah, je dirais pas les mots, mais les mots me viennent quand même. Attends, mais... Waouh. Oh, je viens... Alors, fun fact. Je suis en train de faire, du coup, Stranger of Paradise. Et c'est pas le même gameplay. Du coup, j'ai oublié toutes les touches. C'est pas grave. Tout va bien se passer. C'est bon. C'est bon. Vous êtes prêts, là? Non, mais calmez-vous. Ah, le feu, il aime pas, par contre. Ouah, ils font si mal. Moi, j'étais en mode tranquille et tout. Je me balade. Et là, regardez ce qui me... Mais what? Mais c'est quoi, ce délire? Est-ce que chaque coup de flamme, le premier leur fait autant de dégâts? Parce que c'est ça, c'est incroyable. Sans faire exprès, j'ai chopé la faiblesse du truc. Par contre, c'est dur. Ah ouais, ça va être un délire. On va y aller prudemment, mais par contre, le problème, c'est que j'ai déjà plus de potions, quoi. Ok, dur. Donc le premier coup a l'air de les enflammer, et je pense que pendant le premier coup, tu peux lancer le combo. Donc on va peut-être faire ça. Par contre, ouais, s'il y a des pièges qui sont tendus, mais là, je pense aux arachnophobes. Mais quel enfer. Autant moi, mon truc, c'était les serpents. Autant pour les gens qui ont peur des araignées, ça doit être infâme. C'est exactement ça. Donc là, c'est le moment où j'aurais pu dire... Et salut à tous, c'est Exer, bienvenue dans ce guide pour le manoir de Carla. Équipez-vous d'une arme de feu, il est très important de blesser ses ennemis une première fois avant de leur asséner un combo fatal. Et ouais, ça aurait été parfait. Alors on récupère des pierres de forge sombre à l'infini. Par contre ici, la zone de farm est totale. C'est vrai que c'est très Famille Adams. Wow, la vache. Mais laisse-moi tranquille en fait. L'animation à comprendre, elle est assez hardcore en plus. Voilà. Alors autant les petites sont tranquilles, autant les grandes vont me demander quand même un petit peu de concentration. Ce qui me fait assez peur parce que bah, j'avais pas envie de passer à la lance, moi je voulais rester avec ça. Alors je peux toujours passer à la lance, hein, c'est pas un problème, mais c'est vrai que c'est dommage. Bon, au moins on a vu cet extrait de zone là. Ok, c'est une technique. Non! Oh non, mais j'en reviens pas. Bon.
pense que l'état de mon personnage indique les difficultés que je rencontre. Il est tout en sang, il en peut plus, il est au bout de sa vie, mais moi aussi. Mais moi aussi. C'est vraiment super galère. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? C'est bon là les ennemis ou... Ouais, ça a l'air d'être ok. Je peux passer à autre chose. Allez, on va chercher... Attends, il y en a encore? Mais il y en a trop. Par contre, les flammes, ça a un rendu qui me plaît quand même beaucoup. Hein. Mais encore? Mais non, mais il y en a trop, mais arrêtez! Ah, mais la zone pour les gens qui sont arachnophobes, mais ça doit être horrible! Ah, mais j'ose même pas imaginer tous ces machins qui grouillent là. On t'aime pas les petites bêtes là, mais quel enfer! Alors, il y a une grande porte, on peut éventuellement lui rendre visite. Bon, je pense que là, je le fais proprement, je me balade tout ça. Mais clairement, si jamais je crève, je courrai en fait. Hein, juste là, le but c'était d'explorer un peu. Bon. On a vu. Allez, qu'est-ce qu'on va retrouver ici maintenant? J'ai envie de dire, sans surprise, il y en a une ou deux. Attends, déjà, toi, tu vas venir. Attends, qui vient? Décidez-vous. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais équiper ma potion parce que, malgré tout, ça pourra aider un peu. Ça fait quoi, ça? D'accord, on va faire ça. Non, 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 non. D'accord. Alors, l'attaque lourde sautée. C'est pertinent. Pour le faire se renverser. Faut que je me rappelle de ça. Attaque lourde sautée, ça fonctionne avec mes épées. Qui sont merveilleuses, hein, soyez en passant. Je le dis pas assez, mais je les aime vraiment beaucoup. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Alors, il y a un tableau en fond, mais je pense pas que ce soit un outil d'interaction. Ah, oh, c'est... Oh, la zone est magnifique, par contre, tellement magique. Tellement magique. Dame Rani, nous vous avons attendu si longtemps. Puisse votre maison promptement renaître de ses cendres. Et que la pleine lune éclaire tout Caria. Alors, Rani, si je dis pas de bêtises, c'est la dame en bleu avec son grand chapeau, là, que l'on a retrouvé. Il y a un objet, là. Que l'on a retrouvé, qui nous a donné la première invocation même, il me semble. Ah. Un checkpoint, valeur sûre. Alors tout ça c'est mignon, mais est-ce que ça veut dire que je repasse par au-dessus? Ah oui d'accord, c'est une zone qui est un peu enchevêtrée. Alors je vais quand même très rapidement passer par le banc, parce que... On avait un petit halo de lumière ici. Une pierre de forge 4. Ah. Si déjà j'avais des pierres de forge 1, ça m'aurait été très utile. Faut vraiment que je trouve ce personnage qui me les vend, parce que là, ça rend les choses assez complexes quand même. Est-ce qu'on peut... Non... Bon. Je referai un petit tour de zone, hein, évidemment, pour les choses que j'aurais pu manquer, puisque là, certes, j'avance, je progresse, mais on a quand même fait un petit détour, j'ai l'impression. Ah ! Oh, le scaling est parfait ! Oh, le scaling est parfait, c'est génial ! Vive ces armes ! Alors, comment ça se passe si je fais double arme ? Est-ce que je fais double dégâts? Mais oui, carrément. Waouh, c'est trop bien double épée. Donc je rappelle un petit peu le truc pour les gens qui ne l'ont pas, parce que c'est vrai que c'est important. Dans Elden Ring, vous avez la possibilité de faire double arme. Et pour ça, il faut absolument que vous ayez... Oula, il m'a mis un peu cher celui-là. Il faut absolument que vous ayez deux fois le même type d'arme, hein, sinon ça marche pas exactement de la même façon. Ah, il y a des pièges en plus. Ah, j'ai récupéré sa tenue, super. Pierre d'éclat de coucou également. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est tant mieux. Et là par exemple, donc j'ai double épée, d'où le moveset avec les deux armes jointes, et ça pour le déployer il faut faire L1. Si vous avez double dague, c'est monstrueux, ça va très très vite. Si vous avez double marteau, ça fait beaucoup beaucoup de dégâts aussi, très intense. Mais pour le coup, faut beaucoup d'endurance pour le tanker, et ça faut pas l'oublier. Et là effectivement, on fait beaucoup plus mal avec les deux armes. Par contre ouais, ça fait double endurance qui tombe. Mais double arme, je sais que c'était quelque chose qui m'a toujours branché, que je n'ai jamais vraiment fait, il me semble, dans les Souls. J'ai pas trop les souvenirs de Dark Souls 2, mais je crois que je m'en étais pas trop servi non plus. Et pourtant, ça a un charme fou, quoi. Bon, pas d'éléments plus que ça. Derrière, il m'a suivi. Ouais, bon, pas très grave non plus. Quand soudain... Ah ! Ah ! Et nous voilà... en train de grimper.
Allez, bon, on l'a fait super vite cette zone, c'est très bien. Alors, évidemment, autant en attaque on est scale cool, autant j'ai beaucoup de vie, je pense, par rapport à ce que je devrais avoir en étant en Lyurnia. Mais par contre, enfin, voilà, pour être honnête, ça me fait trop du bien de retomber sur des choses où j'ai pas à avoir peur pour ma vie à chaque recoin. J'ai eu cette phase-là très fort sur Kaelid, un peu moins, mais quand même dans le monde Gelmir. Bon, on va profiter un peu aussi, hein, j'aime bien aussi jouer tranquille. J'aime pas que me faire du mal. Ah, un gros loup. Ouh, il a l'air mignon celui-là. Alors déjà, je vais récupérer ici la petite graine dorée qui fait toujours son effet. Ah. Alors le loup qui a l'air de déconner zéro au niveau PV. Et bam! J'espère qu'on aura une belle vue d'en haut. Parce que quand même, on vient de là. La zone est magnifique, hein, vraiment. Donc c'est ce qu'on a fait comme chemin, on est passé par la... Ouais. 36-15 ma vie, mais... vous savez, moi, il y a un truc où je sais que... C'est une frustration qui ne s'enlèvera, je pense, jamais, malheureusement. Je suis passionné de création de jeux, j'en fais beaucoup sur mon temps libre, des petits protos par-ci par-là, des fois des trucs que je fais en un soir, des micro-trucs quoi, de temps en temps, des petits jeux d'arcade, des fois des petites sessions pixel art, de la 2D, tout ça, j'ai appris à dessiner, enfin bref, toutes ces choses-là. Et il y a un truc où je sais que jamais de ma vie je pourrais le faire, c'est de la 3D. Et ça avec grand regret, parce que j'adorerais designer ce genre de level design en fait. J'adorerais essayer de faire ce genre de truc où tu te balades comme ça et tu explores avec vraiment le fait de penser quelque chose qui visuellement soit déjà cool, mais en plus à explorer et une logique particulière, ce qui est le cas des jeux Souls et From Software en général. Et c'est vrai que là, par exemple, typiquement, tu vois un château, un manoir, avec à la fois le jardin, les petites structures, les arches et des éléments qui sont en hauteur, et de rendre ça intéressant à jouer avec justement le côté extrêmement crédible du visuel, mais en même temps très beau dans sa direction artistique, et puis limite tableau quoi, c'est limite peint, et en même temps bah voilà, ce truc un peu enchevêtré, tout ça qui marque une progression dans un donjon, c'est quelque chose que j'aurais adoré éprouver. Mais le problème, c'est que les jeux en 3D, c'est de suite un autre scope, comme on dit, une autre envergure de projet, et ça je sais que j'en suis incapable, frustration infinie. Voilà, c'était le moment 36-15 ma vie. Et voilà, tous les gens qui font de la 3D, du level art et tout ça. Pensez à tous les gens qui aiment trop votre taf et tout ça. Alors peut-être que dans le taf, c'est pas toujours facile. Mais si vous avez la chance de faire des projets perso et tout ça, vraiment, régalez-vous, profitez pour nous, quoi. Parce que vous avez un savoir-faire qui est rare et qui est ultra intéressant, quoi. Allez, on va grimper. Et continuer cette ascension. Mais là, tous ces petits jardins, ces petits machins, tout ça. Oh. Ouf. Ouh, ça a l'air méchant ce qui m'attend là. Ça a l'air très méchant. Alors je vais sans doute passer dans un mode de concentration supérieur. Et c'est parti. Et là en fait j'étais pas obligé de taper. Alors la chance que j'ai, c'est que l'autre se réveille pas derrière. Ouah, qu'est-ce que ça fait mal la double arme! Je fais tomber direct avec la potion. Oh, c'est jouissif à jouer. Trop bien. Je suis trop content de vous montrer un autre style de jeu par rapport à ce que je vous ai déjà montré par le passé. Bon, là, le géant, faut y aller sévère, quoi. Ah oui, c'est vrai, je vous ai pas montré, mais j'avais ça aussi. Mais là, mon perso, il a un flow de ouf en vrai. Il est incroyable. Il est incroyable. Genre, prends mes flammes. En fait, j'ai créé Bob Lennon sans le savoir. C'est génial. J'ai vraiment créé Bob Lennon. Aïe. Allez, on tape tout. Ah mince, je pourrais pas. Ah, c'est dommage ça. Ploie devant moi. Oh, merveilleux. Avec la flamme et tout. Oh là 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 là.
Épée de chevalier troll. Ouh, qui a l'air somme toute assez jolie en plus de ça. Pour ne rien gâcher. Alors c'est une épée colossale, pas un espadon comme je l'ai à l'heure actuelle. Qui a l'air de scale, bah malheureusement avec un petit peu d'intelligence, mais qui peut être très intéressante, épée magique. Un espadon incrusté d'une pierre d'éclat bleu armée, non, arme de troll, pardon, au service de la famille royale de Caria. Pour honorer un serment passé, les trolls furent contraints de répondre à l'appel de la reine. Ils furent traités tels des véritables chevaliers de Caria et combattirent d'égal à égal aux côtés des humains. Avec en plus le cri de troll. Pouah, elle est magnifique. Attends, je peux la voir? Oh, elle est tellement belle. C'est l'épée de Fly. Elle est incroyable. Bah écoutez, je suis à deux doigts de faire une connerie là. Ah non. C'est vraiment... C'est... Autant il y a eu des sessions, tryhard, difficulté, tout ce que vous voulez. Autant là, je vis un moment de plaisir intense, mais vous avez même pas idée. Ah, il m'a pas laissé me soigner. Et BOM! Voilà. C'est trop bien. Ah, 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 attends, est-ce qu'on n'aurait pas un petit accès à quelque chose là? Ouh! Toujours la même zone, mais vue du dessus, mais de plus en plus haut. Et surtout là-bas, une église. Rappelez-vous, quand on était de loin, on voyait justement tout ça. Il y a un autre truc que je trouve assez fascinant dans les jeux From Software. Et tiens, est-ce que je suis allé là-bas? Je crois pas. Et donc par extension dans ce jeu... Excusez-moi, je bloque, mais c'est l'académie ou c'est la zone de départ? Ça, j'arrive pas vraiment à me rendre compte. Bon, on verra plus tard. De toute façon, je reviendrai au début et... Ouais. Ce que je voulais vous dire, c'était que... effectivement, ouais, il y a des choses qui sont intéressantes dans Elden Ring. C'est qu'on a cette notion de monde ouvert que l'on peut voir dans toutes les sections ouvertes. Est-ce que c'est clair ce que je raconte? Quand on est sur un plateau, on voit tous les points d'intérêt qui sont au loin. Et quand on est dans une des zones concernées, on a toujours une très forte ambiance qui se pose avec des particules comme c'est le cas ici, avec de la fumée. Et en fait, c'est trop bien parce que t'as l'impression d'être dans quelque chose de plus petit d'un coup, de plus confiné, de plus étouffant malgré tout, alors que de loin, t'avais l'impression que tout était finalement d'ambiance équivalente. Je sais pas si vous voyez un petit peu la nuance, mais en fait, cette nuance-là, je la trouve super intéressante. Je trouve ça assez cool de faire quelque chose qui oscille constamment entre les deux catégories, si vous voulez, de ce que fait From Software. Il y a un boss là. Ah! Bonjour. Alors ça fait très pattern du chevalier doré. Donc, je me sens pas mal. C'est quoi ça? Waouh! Waouh! Ah oui, par contre, là on revient sur un combat équilibré quand même. Non! La panique! Très bien. C'est parti. Alors il y a un truc que je vois petit à petit, c'est que quand le boss se prépare à charger sa magie, elle n'attaque pas. Genre là, ça aurait été un bon moment pour y aller. Ah, bien vu. Bon, allez, viens, Lorette. Il est temps qu'on en finisse. Bien vu. Oh, oh, la séquence, c'était incroyable. C'était merveilleux. Par contre, faut que je fasse attention. Wow. Ok, c'est quoi ça? Attends. On va se détendre tout de suite.
et les lames le retour. Attends, faut que je joue lentement. Ah. Plus de puissance. Évidemment. Allez, viens. Mince. Oh, quel plaisir, mais quel plaisir. Allez, ploie. BAM! Quoi? Pourquoi? Pour finir dans les flammes. Hop! C'était merveilleux. Oh là 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 là. Il était trop bien, ce combat. Il était trop bien. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors, grand arc de Loretta, évidemment, et cendre de guerre en taille de Loretta. On va regarder ça tout de suite. Ah, donc j'ai la magie qui est l'arc, soit l'arme de prédilection de Loretta. Une magie, malheureusement, que je ne peux pas lancer, mais ça, on s'en doutait. Il faut 26 en intelligence. Ouais, c'est inaccessible. Cendre de guerre en taille de Loretta. Ces cendres de guerre confèrent à une arme l'affinité magique et la compétence suivante. La technique de Loretta, la chevaleresse royale qu'on vient d'affronter. Vous bondissez vers l'avant en imprégnant votre arme à l'aide d'une pierre d'éclat, puis retombez rapidement en assénant une attaque large. Utilisable sur les lames doubles ainsi que sur toutes les armes d'ast. Attends, quand on dit arme double, c'est les armes qui se mettent à deux mains? Ou ça veut dire que je peux équiper ça sur quelque chose, genre mes deux épées par exemple? Parce que si c'est le cas, ça peut être incroyable et donc à tester. On va voir. En tout cas, on va surtout progresser et prendre la grâce. Allez, on va explorer la suite. Et voir ce que cette zone nous réserve de plus. Les trois sœurs. Il y a un gros truc là-bas, là. il y a un gros truc. C'est comme un gros serpent avec des ailes et des pattes. À voir. Un gros varan. Et sinon... Ah, 1, 2 et 3. On va commencer par la droite. Ça sent le cheval dans pas longtemps, ça. Alors je descends, c'est perturbant de se dire que là je suis en train de m'éloigner de quelque chose qui pouvait ressembler à un objectif. Est-ce que je ne suis pas en train de trop m'éloigner? Ah. Un piège. Oui, carrément. Je vais circuler puisque de toute façon je pense pas que ça m'apporte grand chose de faire ce combat. Ah, voilà qui est étonnant. Quand soudain... Un site de grâce? Ah mais je sais! Je sais exactement vers quoi je suis en train d'aller. Je suis en train de retourner dans la zone d'avant où il y avait le pont que je n'ai pas réussi à grimper. Sur la carte, c'est exactement ça. Ce pont que je n'ai pas emprunté. Et peut-être qu'ici, il y a de la découverte à faire. Ah! Mais je vous connais, vous. Ah, il est... N'importe quoi. C'est même pas un boss. Mais n'importe quoi. Je pense qu'il est en train de venger son compagnon qui s'est fait tuer par un gros doigt. Il a mal pris le doigt d'honneur, à mon avis, dans le lore du jeu. Attends, calme-toi. C'est un délire quand même, hein. Pouah ! C'est super chaud. Allez, viens. Allez, viens. Il va tellement me faire manger mon épée par le cul. C'est sûr et certain. Il va tellement se venger. Bien. Bah, allez, viens.
C'est tellement sale les magies qui viennent derrière toi. Aïe, j'ai espéré pouvoir bourrer mais en fait pas du tout. Il tombe pas hein. Vaillant chien, vraiment vaillant chien. Oh là. Mais non mais c'est pas possible. La magie qui te cible pile à la sortie de l'esquive quoi. Aïe, oh attention, pas que je crève. J'ai été imprudent là sur la fin. Très bien. Oh. Allez viens. C'est la fin. Mais c'était un beau combat. Donc ravi d'avoir pu lui donner une revanche. Mais cette fois-ci avec des épées. Un peu plus juste. Et un peu moins humiliant. Maintenant la question c'est pourquoi avoir fait tout ça. Ah, ça y est, je comprends. Quand soudain, la douleur. Bon ben, c'est l'heure du duel. Avec 3 potions. Je me sens clairement pas prêt. Ah lui, il a l'air prêt par contre. Clairement, il était prêt à tout déployer. Waouh! Ah oh, ça va, il me fait 0 dégâts. Bah ça va, c'est un gentil. Il m'a bien repoussé par contre. C'est tellement un boss pour apprendre à faire les paris lui. Ou à apprendre à gérer les distances en tout cas. Mais très bon boss de tuto corps à corps. Mince, j'aurais dû faire esquive. Trop gourmand. Allez. Sors de ma vue. Ah dommage. Et un de moins. Seigneur d'Onyx. Pour récupérer sa magie. La météorite. Bon, c'était un petit boss. Bon, je me suis un petit peu égaré. On va revenir sur nos pas et je vais tenter les autres chemins. Ah mais en fait, moi je voulais aller ici mais c'est pas garanti. C'est actuellement bloqué. Bon, comme ça au moins ça règle la question. Je devrais revenir ici. Le château est encore une fois toujours aussi magnifique. Hein. Vraiment, l'admiration est totale. Ah, des ruines! Cet endroit est magnifique. Hein. J'aime beaucoup. Ah, vite. Faire ça. Centre de guerre, brume de givre. Tu m'étonnes. Qu'est-ce que c'est beau. J'aime vraiment trop ce que je vois là. Des ruines mais pas d'escalier vers un secret. Oh bordel. C'était bien ça. C'était bien un gros varan. Adula, dragon de pierre d'éclat. Et moi qui y vais comme ça. Alors peut-être que là je vais sortir la lance quand même. Non c'est bon, pas nécessaire. Aïe. Ouf. Ouf. Oh, il est tellement ouf.
J'en reviens pas. Oh là 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 là. Mais les dragons dans ce jeu ont une telle majesté, quoi. Et là, le cristal. Les cristaux sont mes amis. Je ne crains rien. Allez, viens. Hop. Heureusement qu'ils sont là quand même. Oula. Aïe. Il a deviné mes intentions. Ah, il y avait un coup au sol avant d'avoir le coup direct. Oula, là par contre ça va être chaud. Mais je suis en vie. Je crois qu'il était tombé dans le ravin. Mais je crois qu'il est tombé trop loin quand même et du coup il se TP, ouais c'est ça. Quand soudain... Il est temps que ça se termine. Tu es un bel adversaire mais il est temps. Ah j'ai plus d'armes. C'est pas grave. Alors par contre, il va falloir arrêter d'amener des dragons dans le jeu pour les faire disparaître. C'est qu'à un moment, faut que ça cesse en fait. C'est-à-dire que là, ça fait deux fois que je pense que c'est le meilleur combat de la Terre, et en fait, il se barre. Donc non. Donc juste non. Bon, bah écoutez, peut-être que je vais le récupérer plus loin, avec le midlife qui lui reste, auquel cas on le déglinguera proprement et simplement. Mais ouais, triste. Alors peut-être que j'ai mis trop longtemps à l'affronter aussi, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il se passe dans ces configurations-là. A priori, je le retrouverai plus tard, comme ce fut le cas de celui qui a envoyé les éclairs rouges, le dragon des trailers. Et maintenant, nous voici prêts à découvrir peut-être la fin de cette zone. La tour de Rani. Ah bah tiens, nickel. Qui est gardée par des loups. J'espère qu'elle va pas me dire genre, ah sinon t'as vu mes chiens, ils sont beaux. Hein. Ils sont morts. Ça serait dramatique. Ah, on peut monter et je regarde juste sur le côté parce que je suis toujours évidemment très curieux de ce qu'il y a autour du jeu. Bon, je vais quand même passer par la porte principale. Je suis pas un monstre. Ah. Tellement classe. Tellement classe. Ah, c'est un peu la compilation de tous les éléments visuels qu'on a vu dans les tours de magiciens et ces trucs-là. Tout simplement. Bon. On a affronté Loretta, chevalière de ouf. La revanche du loup. On a également pu voir tout un énorme manoir. Maintenant, peut-être un petit bout de scénario. En tout cas, c'est ce que j'espère. Avec un ascenseur. Ok. J'aime tellement ces points de vue quand t'es comme ça en hauteur et que tu aperçois tout ce que tu viens d'explorer. Parce que là, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est la récompense. Tu passes cette porte, et là, on te dit, c'est bon. Tout ce que t'as fait, c'est devant toi. C'est génial. Comme idée, c'est vraiment génial. Oh, regardez ça. Regardez ça. Arbre monde mineur, on en a deux dans cet endroit à Liurnia, il faudra qu'on le fasse. Et en arrière-plan, si je dis pas de bêtises, ce qu'on voit là-bas, c'est le château de Godric, justement. Et ça, c'est dingue. Le fait d'avoir à ce point-là la profondeur de champ, mais moi, ça me sidère. C'était déjà le cas dans Zelda, et ça m'avait scotché que ça marche sur Switch, en plus, à l'époque. Hein. Contrairement à ce qu'on dit, c'était une belle prouesse technique de réussir à faire ça. Mais d'avoir réussi à le faire aussi bien dans ce Elden Ring, moi, ça me... Ça me rend fou. Ça me rend fou. Oh. Again we cross paths. I believe I said my name was Rena when last we met.
It pleaseth me to see Torrent hale and hearty, but tarnished. What business hast thou here? I have no memory of inking thee an invitation. No reason in particular thou claimest. Intriguing. Then mayhaps fate hath steered thee to this reunion. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Good. Then I ask we proceed with haste. Art thou aware of the star that struck Limgrave? It left a vast crater, and through it lieth the eternal city of Nokron. Go there to find the city's hidden treasure. Intéressant. Et c'est là que tu vois que Elden Ring, c'est un jeu de dingue. Parce que nous sommes dans la deuxième zone du jeu. Donc c'est-à-dire qu'en fait, Radahn, normalement, je suis très loin de l'avoir affronté. Et là, du fait de l'avoir tué, elle nous dit malgré tout quelque chose qui fait directement suite à ce que l'on a vécu. Alors je serais trop curieux de savoir ce qu'il se dit dans cet endroit si tu n'as pas déjà fait le Festival du Lion Rouge. Clairement, ça me déclenche. Je trouve ça trop cool. Ah. My war counselor and Salavis, preceptor in the sorcerous arts, can be found below. Like thee, they are in my service. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them what advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Je regarde juste s'il y a un autre dialogue. Non, c'est bon. Ok. Bien écoutez, je suis sur le cul. Je suis vraiment sur le cul de la façon dont ce jeu reste fluide. Parce que, bah, mine de rien, je connais un petit peu les rouages, on va dire, des jeux From Software à ma toute petite échelle, hein, je précise. Hein, je suis pas du tout un expert, mais juste, je vois des jeux que j'ai fait, comment ça fonctionne. Et le fait qu'il arrive à retomber sur ses pattes sans me dire « Ah bah là, tu vois, c'est dommage, t'es pas venu, du coup c'est la fin, ou le personnage est pas là, ou je sais pas quoi. » Et de réussir à proposer justement quelque chose de lucide et logique, je trouve ça vraiment trop trop cool, quoi. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, yes, I've heard all about you. I am Salavis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you, but since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down with you. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? If it were up to me, I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? I reside... Très bien. On va aller le retrouver. Juste, j'étais pas censé aussi avoir l'autre, le forgeron qui était avec nous. Meilleur perso, j'adore son style, vraiment. Oh, so you were the one. Lady Rani has explained everything. You've defeated General Radahn. Unlocking the stars. A grand reward, justly procured by any measure. Again, I am Iji, the Carian royal family's dedicated blacksmith. And Lady Rani's war counselor. I welcome one of your caliber. A fellow champion in service of Lady Rani. Let us give all that we can of ourselves, together, for Lady Rani. Un autre dialogue. Non, c'est bon, on a tout vu. Et elle n'a
plus rien à nous raconter. C'est bon, on va pouvoir partir. Pouah, tellement cool. Je trouve ça tellement fascinant, la façon dont ce jeu arrive à nous faire vivre les choses, et surtout à nous les faire vivre, peu importe l'ordre dans lequel on les explore. Enfin, encore une fois, je me répète, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là de se dire absolument dans quel ordre j'ai envie de faire le jeu, comment est-ce que je vais en profiter, qu'est-ce que je veux faire en premier, tout ça. Et donc on a beaucoup d'initiatives qui est donnée dans le jeu. On peut vraiment faire Kaelid en premier si on le souhaite. On peut vraiment partir très rapidement via des raccourcis sans utiliser l'ascenseur de Dectus pour aller au plateau d'Altus. Enfin, tu comprends que oui, si t'as envie de commencer le jeu par la capitale, techniquement, c'est possible. Et tout le reste, c'est du choix. Mais c'est pas des choix qui vont forcément te faire une expérience amoindrie. Alors c'est sûr qu'on va tous rater des trucs, toutes et tous. Il y a des choses qu'on a manquées, des quêtes qu'on n'a pas eues, des lignes de dialogue qu'il va nous manquer. Et c'est l'intérêt des New Game Plus, c'est-à-dire de refaire le jeu avec peut-être une soluce cette fois-ci, en essayant de ne rien louper et en se disant « Bon ben j'ai raté ça, 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 maintenant on va essayer de faire les choses proprement et de faire une run un peu parfaite quoi. » Je vous déconseille quand même franchement la soluce sur le premier run parce que c'est sûr et certain. Le plaisir de tomber sur les choses, c'est tellement indescriptible et tellement au-delà de tout truc de « Alors là, je dois faire quoi ? Alors la quête de Rani, il faut que j'aille là, il faut que je fasse ça, machin. » C'est vraiment trop cool, quoi. Donc là-dessus, rien à dire, je trouve ça assez fascinant. Mais ouais, on a pu donc enfin terminer ce grand manoir. Reste à voir ce qu'on va faire ensuite. J'ai failli partir trop vite. Il y avait 3 sœurs, donc 3 tours. On va voir ce qu'il y a dans celle-ci, que je n'avais pas exploré. Alors je vois déjà une échelle. Ah, il y a plein de choses, c'est lui. Ah ben c'est celle du gars qu'on a croisé tout à l'heure. Well, well, you took me at my word. Did you not realize I was merely being polite? Oh, you provincials never cease to amaze. I suppose you're here now. Perhaps I'll give you something to do. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Even you can do that much, can't you? Good, good. Now I shall hand over the potion in question. Le breuvage de Céluis. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings, and soon. I've no time for idle chit-chat. The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. Il y a un truc que je trouve aussi assez fascinant dans les jeux From Software par rapport à d'autres productions, c'est les doublages. Il y a un truc quand même très particulier dans la manière de faire les voix, mais ça depuis le début. Et je trouve ça trop intéressant parce que tout est très sec, il y a rien d'accueillant et puis c'est pas des grandes phrases lyriques, c'est pas des phrases basiques en mode « Bonjour, noble chevalier, je te machin, ceci, cela ». Non, non, c'est vraiment que des... Enfin, je sais pas, ça sent le sale un peu, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est des dialogues qui sentent la poussière. Et je trouve ça toujours assez fascinant. Mémolite, très bonne nouvelle. Donc c'est pour les builds magiciens pour avoir davantage de sorts équipés. Et ce qu'on peut éventuellement regarder en toute vitesse, c'est la potion qu'on m'a donnée en objet clé. Ouh, le masque lupin noir. Petite fiole octroyée par le précepteur Céluvis contenant une potion trouble aux reflets noirs et bleus. Trouvez Nefeli et faites-lui boire ceci. Ah oui, fallait que je revienne là parce que j'ai vu un message sur YouTube qui m'a beaucoup interpellé dans les commentaires. Quelqu'un qui a dit « Mais... tu as raté quelque chose ici, effectivement, tu as eu le bon flair. Juste, tu n'as pas compris qu'il ne s'agissait pas d'un mur illusoire. Est-ce que vraiment, faut que je me retrouve à taper tout le sol, là? Et c'est un sol illusoire? Oh ! Regardez ça. Mais quel abus, ce jeu. Mais quel abus, mais n'osez pas faire un truc pareil. Ne refaites jamais ça chez vous, c'est pas possible. C'est interdit. C'est absolument interdit. Et c'est quoi, là, qui m'attend? Spectre Royal. Ah, super. Oh non! Quelle est cette horreur, encore? Ouh, t'as pas l'air gentil, toi. T'as pas l'air gentil du tout. Bon. Ouf. Oh.
comment il a osé. Je suis choqué. Allez, la revanche, parce que quand même, faut pas déconner. Faut juste que je fasse gaffe à bien récupérer ce qui m'appartient. Ah non! Ah mais ils peuvent se téléporter en plus. Mais ça me revient, c'était pas le fameux ennemi de l'enfer qu'on avait retrouvé dans le château avec tout le poison là? Le bastion, moi. Je crois que c'est ça. Hein. Si c'est ça, c'est clairement lui. Aïe. Ouah, il fait mal. Allez, soigne-toi. Et bim ! Non ! Alors je tiens à dire un truc, le moveset de mon arme c'est le meilleur moveset de l'histoire de Elden Ring. Il est incroyable. Et regardez ça. Mais qui dit non à un truc pareil. Bon, on va quand même aller chercher le trésor histoire de... pour ne pas non plus trop oublier de choses. Une aiguille givrée. Ouh, ça peut être très chouette encore une fois. Et là se pose la question de la destination. Plein de choses sont possibles. Et pour une fois, j'ai pas vraiment envie de regarder la carte pour me donner une destination. Je sais que par là-bas, il y a l'arbre monde mineur, donc au pire, ce sera notre cap. Mais je préfère me laisser surprendre par les, panoramas. Pardon. Alors je pourrais aussi décider de passer par l'eau, ça pourrait être pas mal. Ah, attends. Serait-ce une micro-île? Mais oui. La distraction. Pour moi qui ai beaucoup de mal à me focaliser sur une tâche. Ce jeu rend fou. Non mais ce jeu rend fou, je suis désolé. On pourrait avoir envie d'y aller, hein, c'est magnifique. Puis là le plan est iconique de ouf, je pense que je m'en servirai pour une miniature future. Mais... j'ai pas la clé quoi. Donc pour le moment je ne peux pas forcément m'y rendre. Mais par contre ça donne effectivement très 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 envie. Oh, ces structures, mais ces structures au secours quoi. J'ai tellement pas hâte de terminer ce titre. Je sens que quand je vais finir Elden Ring, ça va être tellement long l'attente d'un jeu qui fasse autant vibrer sur le souffle d'aventure. Il y a plein de jeux géniaux, plein de genres de jeux avec des titres qui le représentent vraiment très fort. Et du coup, on peut pas comparer par exemple, je sais pas moi, Elden Ring à Silent Hill 2, ni à Nier Automata, qui sont dans les tops de mes jeux préférés. Mais par contre, en termes de ouais, jeux d'aventure, jeux de rôle et tout ça, pouah, le jeu qui arrive derrière un truc pareil, ça va être costaud quand même. Bon courage. Vraiment bon courage. Bon, nous avons ici... encore une tour magique, et généralement, pour déverrouiller ces tours, il y a un sortilège. Cherchez trois bêtes érudites. Je déteste ce truc. Et bon, bah allez, on va chercher ça. Et de une. On en parle de ce truc-là, là, horrible. Non mais ça va pas te faire un truc pareil. Et de trois. Très joli, très 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 jolie structure, mais surtout un truc classique, mémolite, très bien. Je me demande si chacune de ces tours de magicien finalement ce ne sont pas des choses qui vont servir les builds de magie, avec notamment les mémolites qui permettent donc soit des sorts, soit des mémolites qui permettent d'avoir plus de sorts d'équiper. Ça fait plusieurs fois quand même que je me fais la réflexion qu'à chaque fois tu sens qu'on est dans ce move là. Allez, on repart. Allez, on reprend les rails de cette direction sud. Ah, avec des choses intéressantes quand même. Alors déjà, il y a ce guerrier qui a l'air complètement épique. Soit il est prêt à combattre, soit il est prêt à me combattre. Ah.
Bon, désolé. C'est vraiment les animes et tout ça, il y a quelque chose de tellement jouissif et tellement puissant. C'est merveilleux. Bon, tout ça c'est bien beau, mais... J'imagine qu'elle est couverte, cette escorte avec le coffre. Je vais devoir aller très très vite. Ah mince, je l'ai pas stoppé. Ça y est, j'en oublie les réflexes, quoi. Ah. Mauvaise nouvelle, ça. Ouais. Bon, soudain. Une épée du chevalier de Caria. Ouh, je vais regarder ça parce que c'est peut-être intéressant par rapport à ce que j'utilise à l'heure actuelle. Même si j'aime beaucoup le skin de mes armes, ceci dit. Allez, on se casse. Ah bah un camp, tiens. Un camp, une montagne, des choses à monter? On va voir. Là, encore une fois, je vais pas forcément m'attarder sur les détails. Récupérer des petites choses, évidemment. Voilà, un arc unique, on ne s'en plaindra pas. Mais clairement, ce ne sont pas les zones que je préfère. Par contre, l'ascension, là, me donne envie de tester. Oh là 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 là. Alors, on va regarder comment... Ah, déjà un coffre. Ah, l'horrible... L'horrible bestiole. Très bien, très bien, très bien. J'ai compris le message, j'ai compris le message. Ne vous inquiétez pas. J'ai compris le message. Ces chiens sont horribles. Bien. Toujours meilleur moveset. Allez, prends les flammes. Aïe, 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 aïe. Ouais, non, je pense que là, j'ai trouvé quelque chose qui va m'occuper pendant un petit moment. Il y avait donc deux coffres en plus, donc ça vaut le coup quand même de fouiller un peu. Pierre de forge pour le premier, et pour le deuxième... Je sens que je vais avoir des regrets, là. Caillot sanguin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'en ai 6, donc ça doit être des éléments de craft, hein, on l'imagine. Allez, je vais monter lentement mais sûrement, prudemment surtout, en essayant de voir s'il n'y a pas des grottes ou des cavernes, un truc comme ça, typiquement là. S'il y avait eu des falaises qu'on puisse détruire pour pouvoir accéder à des donjons secrets, pardon, je pense vraiment que là, ça aurait été un spot parfait. C'est très drôle parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas été bloqué dans une zone un peu de forêt qui donne une impression de grandeur telle que... Moult dangers nous attendent à chaque arbre. C'est exactement ce que j'allais dire. Allez, c'est parfait. Oh non, mais non! Qu'est-ce que c'est que ça encore? Alors là, il faut absolument que les arbres tombent. Pourquoi? Parce que les arbres sont un vrai problème pour la visée. En fait, si jamais ils passent entre un arbre et moi, potentiellement, je ne le vois plus. Allez, viens! Ah, dommage! Ouais, nous par contre... Va me laisser prier. Waouh! La magie qui m'a sauvé. Non! Le talon d'Achille, évidemment, toujours redoutable. Et les âmes qui, évidemment, continuent de se stocker. Et pourtant... je ne m'en sers pas. Je vais les perdre un jour, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il n'y a pas une petite caverne par là encore? Ça donne envie, hein. Les plans sont... Oh là là, mais... Ok. Waouh. Alors déjà, vu de loin, c'était quelque chose... Waouh. Oh là là. Mais comment c'est possible? Oh là 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 là. Ouais. Je sais pas comment je m'en remettrai de ce jeu. Hein. C'est pas possible. Allez, on avance. Je pense qu'il y aura une église au sommet de cette montagne ou un truc de ce style. Parce que là, quand même, ça semble louche. Déjà, de pas avoir eu de donjon, ça me semble très très louche. Mais non, un deuxième! Mais laissez-moi tranquille! Bon, cette fois-ci, on y va à fond. Ah bah non.
Aïe. Oh, comment je me suis fait sécher en plein vol en plus. Ah. Dommage. Allez, je donne tout pour le sécher pendant qu'il est au sol. Ça sert à rien de faire le coup critique. Mieux vaut attendre et charger les meilleures attaques. Allez, attaque de flamme. Ah, j'ai plus de mana. Et ouais, plus de mana, plus de chocolat là. Allez, saute. Mince. J'aurais bien voulu voir ses cordes vocales parce que... Je sais pas avec quoi il a hurlé là. Bon, le petit soin qui fait le taf évidemment. J'espère tellement qu'on aura à un moment une sorte de zone au géant. Alors, il y en a déjà une petite, ceci dit, qui était déjà à voile orage. Mais une zone où, ouais, tu as... Il avait une lumière bizarre, j'ai cru. Tu as cette perspective de te dire que oui, c'est... Ouah, là aussi, on a envie d'y aller. Ah non, j'en viens, pardon. Pardon, je me perds dans ce que je vous raconte. Ouais, une zone au géant où c'est le cœur du truc de montrer ça. Ah, ça y est. On va arriver petit à petit au sommet. Alors, ça rappelle très très fort les 4 beffrois. Ça rappelle très très fort la zone au moulin. Sanctuaire ou pas Sanctuaire? Ce serait quand même marrant. Pourquoi il y a Han Solo? C'était donc à ça que servait ma clé lame imprégnée. Un téléporteur. Très tentant. Donnez-moi une seconde. On se rappelle de ça, d'accord? On se rappelle de ça. Je le garde en tête. 4 beffrois. Donc, 4 téléporteurs. Un deuxième. Voilà qui est intéressant. Voilà qui est très, très, très intéressant. Et un coffre. Qui me donne un deuxième téléporteur. Oulala. Là là. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Deux choix. Soit c'est une zone centrale qui me permet de me téléporter rapidement, on va dire, au travers de cet endroit. C'était déjà le cas avec la possibilité d'aller directement en Kaelid. Soit c'est un téléporteur qui m'amène beaucoup plus loin dans le jeu. Et donc possiblement à des endroits que je connais déjà. Par exemple, peut-être que ça va m'amener au Mont Gelmir. Ou alors que ça va m'amener à la capitale, j'en sais rien. Il y en a trois. Je sais pas lequel choisir. Bon, on a commencé par celui-ci. Et on va y aller. Attends, quoi? Attends, il se passe quoi, là? Oh, putain! J'ai... Non! Oh, putain! Mais au secours! Mais au secours! Mais c'est quoi, ce jeu? Oh, la vache!